rentre, on tombe immédiatement, enfin on va commencer par ce côté, on tombe sur ma coiffeuse, enfin c'est les meubles dont je me sers de coiffeuse. Il y a un tas de choses dedans, donc dedans il y a mon make-up, il y a un peu de tout, donc je vais vous montrer tout ça. Et juste à côté, il y a mon lit. Au niveau de sa surface, comme vous pouvez le voir, il est assez grand, enfin en tout cas j'ai beaucoup de place pour me maquiller. Donc ici il y a mes pinceaux, que ce soit pour le visage ou pour les yeux, et il y a un petit pot de fleurs donc, qui vient de chez Ikea, c'est des fausses fleurs. Il y a aussi mon petit serre-tête, donc c'est le serre-tête fétiche on va dire, que vous voyez tout le temps dans mes vidéos. Ensuite ici on tombe sur mes cotons, tout à droite, mes cotons et mes petits cotons-tiges. À côté de ça on tombe aussi sur mes démaquillants, mon eau tonique, enfin voilà en gros pour me démaquiller. Après ici il y a tout ce qui est make-up, donc à gauche il y a tous mes rouges à lèvres, enfin tous mes rouges à lèvres, non, il n'y a pas tous mes rouges à lèvres mais il y a une partie de mes rouges à lèvres. Et sur la droite c'est ce dont je me sers pour me maquiller la plupart du temps, pour éviter toujours d'ouvrir ma commode etc quand je veux me maquiller le matin, au moins c'est à portée de main et je suis tranquille. Par là-bas donc dans le petit sac Guerlain il y a mon déo de la LAC, il y a un autre déo je crois. Après bah il y a ma brosse, mon peigne et il y a un petit porte-bijoux je dirais. Franchement je le trouve chou, il vient de chez Urban Outfitters et j'aime trop, je sais pas, je le trouve trop chou. Petite glace au calmus. À gauche il y a des photos de la Beauty Cruise. Je sais pas comment ça se dit. Il y a des photos avec mon copain, voilà. Par là-bas, il y a des petites photos aussi. Il y a des petites photos encore de la Beauty Cruise, je sais pas comment on dit, l'accent de merde. Et des petites cartes de différentes marques, enfin voilà, des petites photos Polaroid. Je suis désolée si mon appareil photo fait du bruit. Donc à côté des photos, etc. Donc il y a le début de ma poutre. Ici, on a encore donc le Survivor. C'est le ballon qu'on m'a envoyé pour la Get Beauty. Donc il est là depuis un moment et franchement... Bah, il résiste. On va enfin attaquer donc les compartiments de mon meuble, donc let's go. Du coup dans ce tiroir là c'est tout ce qui est make-up, donc je vous montre en gros. Si jamais vous voulez un rangement make-up n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Dans le deuxième compartiment, donc là en gros c'est le côté soin, côté corps, visage, cheveux, etc. Vraiment côté soin, j'arrive toujours à l'ouvrir. Voilà, donc en gros ici c'est vraiment... des cours, des cahiers non utilisés, des bouteilles que je collectionne, enfin entre guillemets, un reste de cire, des petits trucs comme ça que j'emporte lorsque je vais mettre mon maquillage, genre pour partir en vacances ou ce genre de choses quoi. Alors dans ce tiroir, là, bah, y a tous mes vernis. Ici c'est des petites boîtes que je garde en fait, parce que je suis une fille oui, qui garde beaucoup de boîtes, beaucoup de choses inutiles. Il y a toute ma collection de lunettes, enfin ma collection. Il y en a aussi dans un autre tiroir, bref. Ici c'est tout ce qui est thé, cure, enfin détox, etc. L'appareil, mes médicaments. Après il y a du bicarbonate de soude. Voilà, en gros, ce qu'il y a dans ce tiroir. Ensuite je vais vous montrer les deux derniers tiroirs qui sont pas très intéressants, vraiment pas. Donc ici, premièrement, il y a des boîtes à chaussures, il y a des trucs de filles. Il y a des boîtes dans lesquelles je range tout et rien en fait. Ici il y a encore du thé, et ici il y a des ordinateurs qui marchent plus. Mais du coup, bah, je les garde. Et dans le dernier tiroir, voilà, il est rempli à ras-bord, du coup je galère toujours à l'ouvrir. Donc en gros c'est les couettes que j'ai pour mon lit et rien d'extraordinaire, les plaids, etc. Après avoir fait donc mon meuble, ma commode de make-up, etc. On va faire mon lit, donc ça va pas être très long. J'ai un tapis, un petit tapis de chez Ikea, donc c'est de la fausse fourrure, je tiens à préciser. Déjà juste à côté de mon lit, il y a ma pancarte, donc vous savez, ceux qui sont venus à la Get Beauty, que c'est la pancarte qui avait accroché derrière moi lors des meet-up. Et ensuite on tombe sur mon lit, donc là il y a mes oreillers, il y en a de chez Ikea, il y en a de chez la Maison du Monde, il y en a de site internet, etc. Le plaid, je sais pas du tout où il vient, d'où il vient pardon. Ensuite ici, oh, pardon. Ici il y a mon petit réveil de chez Ikea. Après ici c'est un petit cadre que j'ai eu encore une fois chez Ikea. Mais c'est moi qui ai imprimé le dessin pour le mettre dans le cadre. Après il y a mes petits cactus parce que encore une fois guirlande plus cactus égale youtubeuse plus thé plus bougie. Donc du coup j'ai mis mes petits cactus. Non c'est pas vrai, en fait c'est vraiment que j'adore les petits cactus. Tout ce qui est petit comme ça c'est trop chou. Ici il y a un autre cadre pareil, je l'ai eu chez Ikea et j'ai imprimé la photo qui me correspond totalement. C'est un petit sac que je trouve trop beau qui vient du magasin Majestic. Et ici encore une fois un petit pot de fleurs avec une petite fausse plante de chez Ikea. Et pareil la guirlande Ikea parce que youtubeuse égale Ikea.
Quand on a fini la poutre, on tombe sur un tout petit sac là-bas, enfin un petit... J'ai mis plein de petits trucs dedans, en fait je mets des petits trucs partout. Après il y a le poster qu'on nous a offert à la Beauty Cruise et que j'ai accroché parce que je le trouve super joli, super élégant. Et ma guitare, me demandez pas si je sais faire de la guitare, je sais pas faire de la guitare. Voilà, comme ça c'est dit. On tombe sur mon petit meuble, je vais aller faire un tour avec vous juste après. Et à côté, j'en profite pour vous montrer mon petit poster de Stromae. Un petit sac Vanessa Bruno avec tous les sacs que je garde à l'intérieur puisque j'adore collectionner les sacs. Voilà comment se présente mon petit meuble à première vue. Ici, il y a mon lisseur Co-Air et dedans, il y a mon lisseur GHD. Donc le lisseur Co-Air, c'est juste de la merveille, pure merveille. Il lisse mieux que mon GHD. Je parle pour lisser parce que pour boucler, du coup, c'est pas possible parce que c'est un lisseur vachement plat. Comme vous pouvez le voir, enfin, il est super bien hein, pour l'ici, il est trop cool. Ici, il y a une petite bougie qui sert aussi d'huile de massage. Et ça sent trop bon, ça sent la barbe à papa, c'est trop cool. Ici, encore un cadre que j'ai acheté et dans lequel j'ai inséré une petite photo que j'ai imprimée moi-même. Après ici, il y a un petit journal que j'ai mis comme ça, je sais pas, je trouvais que ça faisait trop beau. Les couleurs roses et tout comme ça qu'il y a dessus. Et ici, mes deux bougies fétiches, une de chez Ikea qui sent la rose, c'est genre trop bien. Et ici, une de chez Jewel Candle qui sent le cookie. J'essaie de les brûler le moins possible, tellement j'aime leur odeur, au LDR. Et en haut, il y a des petites photos, donc ça c'est Brandy Melville et ça c'est un souvenir de Abercrombie & Fitch. En dessous, on tombe sur... pareil, des trucs où je range, des trucs dedans, comme d'hab, des petites boîtes à chaussures comme ça que je trouve trop jolies. Ensuite, il y a mes talons que j'ai mis en déco, on se dirait chez Zara. Tu vois, la meuf en fait c'est pas une chambre qu'elle a, c'est Zara. Non, mais c'est des talons que je trouve trop beaux aussi, je les ai portés genre 3 fois. Ensuite ici, il y a des livres, un peu de tout et rien, des livres que j'ai dû lire à l'école ou alors que j'ai dû acheter mais que je n'ai pas lu. Je sais pas si vous aussi vous faites ça des fois, voilà. Voilà la flemmarde qui sommeille en moi. Je ne suis pas une alcoolique, je vous vois direct arriver. C'est juste des bouteilles de champagne, donc celle-ci pour mes 18 ans que ma mère m'a offert, qu'on a bu tous ensemble, je ne l'ai pas bu toute seule. Et ça c'était, je sais plus, pour fêter genre nos 5 mois avec mon copain, donc voilà. Ouf, qu'est-ce que je vois ici? Un petit chat qui dort. Eh bien on va aller le réveiller. Coucou toi. Coucou. Mmh. Fais pas de bruit. Morte. Là, vous en doutez, c'est des jouets pour mes chats, comme il y a un peu partout en fait. Ici, on tombe, bah quoi, sur mon bureau. Donc, on va aller les voir tout de suite et après, on va passer au dressage. Ici, il y a mon petit truc où je mets tout et n'importe quoi. Enfin, vous avez tout ça, je pense, dans votre petite chambre. Mais en gros, c'est là où je mets, bah voilà, des pinces, des lunettes, des trucs qui ne servent absolument à rien. Voilà. Et ici, il y a mes petits trucs. Mes petits carnets pour marquer des trucs dedans sur YouTube ou j'en ai un tiennement, voilà. Non, je rigole, c'est pas vrai. Donc le petit pot Tumblr où il y a mes crayons, mes trucs d'école et mon petit truc de souvenir de Disney. Oh, je le trouve trop chou, franchement. Il est pas trop beau? Ou alors ici, petite chaise de chez Ikea. Putain, c'est un truc de fou, j'achète vraiment tout chez Ikea, c'est pas possible. Premièrement, ici, il y a mon ordinateur, voilà, très intéressant. Ici, bah, mon petit tiroir où il y a tout et n'importe quoi. Ici, c'est là où je mets mes manuels de cours, mes, tous mes cahiers qui vont bientôt jarter. Enfin, ici, on tombe sur ma glace, sur mon miroir, entouré de guirlandes lumineuses, bien évidemment. N'est-ce pas magnifique? Je suis super concentrée pour éviter de bouger. Voilà, c'est fini! Bref, c'est plein de photos de mon Instagram. Bah ben voilà, je suis obligée de montrer ma face alors que je comptais pas la montrer puisque je suis absolument dégueulasse. Mais bon, hey! Il y a le miroir et un petit sac là-haut de la Beauty Cruise. Encore une fois, admirez cette position. N'est-ce pas merveilleux? Mon petit chat! Oh, elle est trop mignonne! Oh, trop mignonne! Bon, certes, ça c'est inutile, mais bon, c'est mon truc de sport plus ma serviette. Voilà, c'était vachement inutile, je vous avais prévenu. On tombe sur mon placard. Ouais. Alors, quand on ouvre ce placard-là, on tombe en haut sur des trucs pas trop beaux, en fait. Enfin, sur des boîtes à chaussures, des sacs, des trucs comme ça. Ensuite, ici, on tombe sur tout ce qui est t-shirt, pull, etc. Ici, c'est toutes les vestes.
En bas, pareil, veste. Ici, c'est sous-vêtements. Ici, pull. Et en bas, les chaussures que je vais vous montrer juste après. De l'autre côté du placard. Pareil en haut, donc il y a des vêtements dont je ne me sers pas. Et mes sacs et mes chapeaux. En haut, là, c'est des vêtements que j'accroche pour éviter qu'ils soient froissés avec des sweats et tout. En haut, c'est les vêtements de sport. Ici, c'est tout ce qui est jean. Ici, c'est les shorts. Ici, sous-vêtements. Ici, en supplément, il y a les petits maillots. Voilà, le truc, il est plein à craquer. Bref. Ici, c'est tout ce qui est robe, jupe, les trucs comme ça. Ici, encore une fois, les trucs pour éviter qu'ils soient froissés. Et en bas, les chaussures. Alors, ici, il y a des chaussures d'été. Ça, c'est mes chaussons d'hiver. Donc là, des baskets aussi. Et encore des baskets. De ce côté, là-bas, il y a des talons compensés, des talons simples, on va dire. Des baskets et encore des baskets. Et enfin, là-bas, au fond, il y a beaucoup de bottes, des bottines, ce genre de choses. Et voilà. Bref, c'est le petit tour de ma chambre qui se termine ici même. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et à me dire si vous aimeriez, pourquoi pas, quelque chose comme un room tour. Pourquoi pas vous présenter mon dressing un petit peu plus en détail. Ou un rangement make-up, ou tout ce que vous voulez quoi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !